Beaucoup, 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 beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Tout ce que j'ai vécu dans ce pays, j'ai déposé là-bas. La chaîne YouTube, c'est Fafalawani. J'ai un ami la dernière fois qui m'a contacté. Il était déstressé, il était triste, il était tout dans tous ses états. Il m'a dit qu'il était malade, que quelqu'un, celui qui l'hébergeait, l'a amené dans un hôpital et qu'on l'a chargé tel montant, tel montant. Alors que moi, j'avais déjà fait les vidéos. J'ai dit, si tu es dans cette ville-là, si tu es malade, va à tel endroit, quelle que soit la ville tu es. Google telle, telle chose et va chercher l'hôpital des sœurs ou bien l'hôpital Community Hospital ou bien quelque chose là. Eux, ils sont moins chers. D'accord? À peine tu vas déposer 50 $, 60 $, ils vont te soigner, tu rentres chez toi. Ils ont parfois même des assurances pour les gens qui n'ont pas d'assurance. Maintenant, s'il avait regardé la vidéo là, il n'allait jamais partir. Et puis, c'est que ne suivez pas quelqu'un pour aller bêtement à l'hôpital. Moi, si vous-même, vous voyez que. Peut-être c'est une question de vie ou de mort. Sinon, nous-mêmes en Afrique, là, quand on était malade, combien de fois on va à l'hôpital? On va toujours chercher les médicaments du marché. D'abord, on te traite d'abord jusqu'à ce quand on voit que ça fait 3 jours, je mettrai ça.